Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui affecte les voyageurs algériens, en particulier ceux vivant à l'étranger. Le secteur du transport maritime en Algérie traverse une crise majeure, et cela fait des remous, jeu de mots intentionnels. Le constat. Alors, que se passe-t-il? Abdelwahab Yagoubi, député représentant la diaspora algérienne, a soulevé de graves préoccupations. Il a dénoncé auprès du gouvernement de sérieux dysfonctionnements dans le secteur du transport maritime. Si vous avez voyagé avec Algérie Ferries cet été dernier, vous comprenez parfaitement de quoi il parle. Imaginez planifier un voyage de retour au pays pour ensuite être confronté à des retards, des annulations et des problèmes techniques incessants. C'est la dure réalité qu'ont vécu de nombreux Algériens vivant à l'étranger, notamment durant l'été 2024. Un véritable cauchemar, et Yagoubi n'a pas l'intention de laisser passer cela. L'interpellation. Le 3 octobre 2024, Yagoubi s'est exprimé sur Facebook pour exprimer sa frustration et exiger des actions. Il s'est appuyé sur l'article 160 de la Constitution algérienne pour interpeller formellement le gouvernement. Il ne s'agit pas d'une simple demande d'information, mais d'un mécanisme constitutionnel permettant de responsabiliser le gouvernement. L'interpellation de Yagoubi concerne trois ministères clés : le transport, l'information et la communication, ainsi que la communauté à l'étranger. Il a accordé au gouvernement un ultimatum de 30 jours pour répondre. En cas de non-réponse, cela pourrait conduire à une motion de censure, un vote de défiance, susceptible d'ébranler le gouvernement. L'importance de la question. Pourquoi est-ce si important? Le secteur du transport maritime en Algérie est en difficulté depuis des années. Il ne s'agit pas d'un problème nouveau, mais la situation atteint un point critique. La diaspora dépend fortement de ses services pour rester connectée avec son pays d'origine. Lorsque les choses tournent mal, cela perturbe considérablement les vies. Prenons l'exemple d'Algérie Ferry. Cette compagnie est au cœur de la tempête. Les problèmes techniques, la désorganisation et la mauvaise gestion y sont monnaie courante. Même les ports européens en ont eu assez, entraînant des interdictions d'accès pour leurs navires. Un combat collectif Yagoubi n'est pas seul dans ce combat. Il bénéficie du soutien d'autres députés et du public. On assiste à un appel croissant à l'intervention du gouvernement pour initier de véritables changements. Il ne s'agit pas seulement de réparer les ferries, mais d'assurer des services fiables et efficaces pour tous. L'outil de l'interpellation. Dans sa vidéo, Yagoubi a souligné l'importance de cette interpellation. C'est un outil dont dispose le pouvoir législatif pour questionner les performances de l'exécutif. Si un nombre suffisant de députés, au moins 30, la signe, le gouvernement doit répondre dans un délai d'un mois. Cela pourrait déclencher une séance plénière où les actions du gouvernement seront examinées à la loupe. Les enjeux. Il est clair que les enjeux sont importants. La diaspora est fatiguée d'être déçue par un système censé la servir. L'initiative de Yagoubi pourrait changer la donne. Qu'elle aboutisse ou non à une motion de censure, elle met la pression sur le gouvernement pour qu'il s'attaque à ses problèmes de longue date. Conclusion. Alors, qu'en pensez-vous? Cette interpellation fera-t-elle une différence? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus de mises à jour. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.